Non, pas 1 plus 1. 0 plus 0. La tête à Toto. Dans sa chambre, Novalie n'a pas un doudou, mais une bonne vingtaine. Lui, c'est Smarties. Lui, c'est Guimauve. Lui, c'est Chamallow. Et ça, c'est Marius. Prochain calcul. Chacun de ces doudous joue un rôle bien particulier dans la vie de la petite fille. Avec certains, elle rejoue des scènes de son quotidien. Les enfants, un peu de calme. Alors, qui veut me lire le prochain calcul ? Oui, joue à la maîtresse. Je les emmène à la fausse piscine. Je les emmène chez le faux docteur quand ils sont malades. Parmi cette armée de doudous, certains sécurisent son lit et la protègent des monstres de la nuit. Je mets Olaf pour qu'il surveille. Moi, j'ai beaucoup peur du noir. Surtout, il y a plein de bruits bizarres dans ma chambre. Alors. Et quand elle a besoin d'un câlin, ce sont ses petits moutons qu'elle préfère. Les doudous moutons, ça va être le moment cocooning pour dormir, pour se calmer. Si jamais il y a eu une dispute, si jamais à l'école elle n'est pas très bien, elle prend ses doudous et puis elle est tranquille. Des doudous qui rythment la vie de la petite fille et qui font aussi partie de la famille. Ils ont même droit à une fête d'anniversaire, comme aujourd'hui Étoile, la licorne. Stop. Je crois qu'on peut mettre encore un petit peu. Non, c'est 0. Et là, c'est 1-4. Hop, voilà. C'est l'occasion de faire des choses avec les filles. Et puis, c'est un moment sympa. C'est pas très grave de faire un anniversaire pour des doudous. Enfin, voilà, c'est... Pas du tout grave. Voilà. Ça donne l'occasion de manger des gâteaux plus souvent. Si Séverine joue le jeu de Novalie, c'est pour permettre à sa fille de développer son imaginaire et lui offrir de jolis souvenirs d'enfance. Je pense pas qu'elle va grandir tordue parce qu'on fait des anniversaires de doudou, quoi. Enfin, c'est vraiment pas... Ça m'inquiète pas. Vraiment, ça m'inquiète pas. Je me dis, quand elle en aura marre et qu'elle se trouvera trop grande pour les anniversaires de doudou, elle nous dira d'elle-même et on respectera. Le gâteau est prêt, la table mise et tous les doudous attendent impatiemment l'arrivée de la star du jour. Il est temps pour Étoile de souffler sa bougie pour le plus grand bonheur de Novalie. Étoile. Oui, bravo.